ma mission TV, le miroir du monde. Mais sur appel insistant de M. Ardan, que je ne fréquente pas, il n'est pas mon ami, mais simplement comme un des membres de mon parti, le PPRD, son numéro, son nom était enregistré. Mais j'ai vu autour de 18h des appels incessants de M. Ardan, plus de 4 heures, aucun climat malsain à ce moment-là. Donc, les appels, vous savez les voir là-bas. Je crois que c'était autour déjà de 18h50 qu'il m'appela. Et que c'est simplement autour de 19h15 que j'avais pris le dernier appel pour lui dire que moi-même je suis encore au centre-ville en train de faire quelques contacts, mais que les liens qui me fixent, je les connais bien parce que c'est moi qui étais blessé et même les gens du restaurant, c'est à moi qu'ils ont donné le premier soin lorsque M. Ardan était en train de faire son cinéma pour dire qu'il a été blessé sur la tête, qu'il a reçu un coup de bouteille sur la tête, en tout cas. Mes dénégations n'ont jamais été contredites par quoi que ce soit, par aucune procédure. C'est quoi ? Il y a eu une agression de ma part. Et que cette agression, c'est les blessures que j'ai eues. C'est lorsqu'il a pris soit une bouteille, moi je n'ai pas pris, et qu'il a tapé là. La plaie, bien que cicatrisée, elle est encore visible. Et même l'hématome, si vous touchez là, vous allez voir. Ma tête a encore des signes d'hématome. Là-bas, et même là où j'ai reçu des coups. Et alors, on parle de quelle bagarre? Je vais dire la vérité, rien que la vérité. Merci beaucoup. Nous avons des images du 20, monsieur le président. Nous n'avons vu aucune blessure sur Ardan. Il n'était pas blessé. Et donc, nous pensons que c'est un montage. On a monté sur les images de l'être là pour faire croire qu'il était blessé parce qu'il craignait qu'on se plaigne contre lui et qu'il soit inquiété. Vous allez voir que même ces petits moyens sur lesquels il est en train de s'appuyer, la soi-disant bouteille Heineken, ne tiendra pas du tout parce que je n'ai jamais été convié pour prendre une boisson ou une bière avec Ardan Kabambi. J'ai été appelé à ce lieu-là parce que le professeur Nyabihungu disait qu'il a besoin de me remettre son invitation pour la cérémonie à main propre. Nous avions dit que nous n'avons jamais vu de blessure sur la tête de Ardan Kabambi. Il nous a agressé en présence de Nyabihungu et il a continué à nous agresser et de l'intérieur du restaurant et à la fin. Et il n'a jamais eu de blessure. Ardan Kabambi, je crois qu'il a été cité comme témoin. Il doit être dans la salle, c'est mieux de passer à cette phase de comparaison. Parce que ce qu'on est en train de lire là, vous allez prendre la déposition. Vous allez prendre la déposition. Bon, c'est pas dit que je n'ai rien vu. Moi j'étais dans la cuisine, j'étais vers 22h30. J'étais vers 22h30. Parce que dans ma cuisine, il n'y a pas la porte. Si un monsieur veut aller à la place de sa terre, je vais passer que je vais voir. J'ai vu à 22h30 le monsieur, il a passé, il était vraiment essuyé avec le sang. Et sur son petit ici, il y avait une blessure avec beaucoup de sang de couler. Et j'ai vite couru, j'ai dit, le monsieur est en train de la toilette comme ça avec le sang. Pourquoi? Je suis allée là-bas, il était en train de s'essuyer avec zéro, avec un papier mouchoir. Et moi, je me suis dit, j'ai dit non, papa, n'essuie pas avec le papier mouchoir parce que le sang ne doit pas cesser de couler. Je suis allée, j'ai pris les désinfectants comme ça, avec du sel. Je lui ai mis ici. J'avais une clé là et le petit bras. Et je me suis dit, papa, attends, je vais faire arrêter votre sang, ne prends pas encore de l'eau. J'ai pris du sel, j'ai mis ici. Oui, j'ai pris les désinfectants, j'ai mis à ce monsieur. Et j'ai pris encore du sel, j'ai mis ici. Ici, le sang, ça a laissé de couler, mais sur le petit doigt, ça coulait toujours. Et toute la bouteille de désinfectant, c'est fini. Et j'ai mis du sel dans 4 tenues. Moi, je suis allée directement au comptoir, comme il y avait la dame. Je lui ai dit, j'ai dit, maman, il n'y a pas moyen de retenir ce monsieur ici, parce qu'il est en train de saigner.
Parce que toute la vapeur là, de, à la place là où on lave les mains, c'était vraiment, il y avait des sangs. Et je dis, maman, il faut qu'on libère le monsieur qui aille à l'hôpital parce qu'on va avoir des problèmes. Après cela, je ne connais rien. Patron à moi. Maladie Milibata, Nakuti, Lissi Ardan, Aosha de Chabakim, Massa de Chan, Lissi Ardan, Aosha Bakim, Massa Ote, Nazali, agressé, Nazan Akouli, tout ça là, adjoint, secrétaire général, il y a PPRD, Papa Kamber, et pourtant, la Nenga Salim, Nazan Nazan Akouli. Libanda, na terrasse. Je suis venu à l'hôpital de M. Ardan, je suis venu à menacé par M. Kambien, l'adjoint secrétaire général, il avait perdu. Je suis venu à l'hôpital. Ma mission TV, le miroir du monde. M. Kambien et Ferdinand, fauteuil de droit régulier. Maître, le tribunal vous pose la question de savoir si vous acceptez de comparaître volontairement. Bien que l'appel d'état supérieur, je pense que la diligence est venue de mes avocats pour que cette cause soit suite aujourd'hui. Je crois que vous verrez même les citations à témoin. Je témoigne que je renonce à la formalité de l'appel. Ok. Que les prévenus renoncent à la formalité, si c'est le tribunal se déclare valablement saisi à son égard et passe à son identification. Vous êtes de nationalité congolaise. Vous êtes né à Lubero le 6/7/1967. Marié à Madame Soki Maliki Adesangé et père de 6 enfants. 8 enfants. Vous avez récupéré père de 8 enfants, Madame la Chrétienne. Fils de Kavusa Alexis en vie. Vous êtes originaire du village de Bouyimba, secteur de Bamangi, de Nord-Kivu, oui, province de Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ok. Votre adresse est ceci, avenue Kapanga, quartier Kasai, dans la commune de Barumbu. Présentement, vous êtes en détention ici à Makala. Ok. Donc, le tribunal est valablement saisi. Et monsieur de la composition. Voici les prévenus Kambere Kalumbi Ferdinand. Nous l'avons déféré devant vous parce qu'il est poursuivi pour avoir à Kinshasa, ville de ses noms, capitale de la République démocratique du Congo, le 17 décembre 2021, tenté de commettre le meurtre sur M. Ardan Kabambi Bukasa. La résolution de commettre ce meurtre ayant été manifestée par des actes d'extérieur, en l'occurrence l'administration d'un coup violent sur la tête de la victime au moyen d'une bouteille pleine de bière de marque Heineken qui s'est brisée, qui forme le commencement d'exécution et qui n'ont manqué les effets que par la prise en charge médicale, circonstances indépendantes de la volonté du prévenu. Fait prévu et puni par les articles 4 du Code pénal congolais livre 1er ainsi que 43 et 44 du Code pénal congolais livre 2. Nous avons dit, monsieur le président. Si votre tribunal peut d'abord chercher à savoir, ce n'est que si ces témoins cités dans la présente cause sont dans la salle. Nous avons dit. Au moment où on fait même. L'article 74 du Code de procédure pénale, monsieur le président, nous donne l'ordre dans lequel le tribunal procède à l'instruction dans une affaire. Je peux, avec votre autorisation, vous lire les libellés de cette disposition.
L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant. Les procès-verbaux de constat, s'il y en a, sont lus par le greffier. Les témoins à charge et à décharge sont entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés, monsieur le président. Alors, lorsque le tribunal nous dit, c'est au moment opportun, puisque les témoins là ont déjà été cités, ils peuvent être dans la salle, ils peuvent suivre tout ce que nous sommes en train de dire ici et se préparer pour venir berner votre vice tribunal. Si vous pouvez savoir s'ils sont là, les isoler, et s'ils ne sont pas là, agir comme la loi le prévoit. Mais ces témoins ont été cités à la demande du tribunal ou bien c'était avoir ses propres initiatives. Parce que nous aujourd'hui, c'est la première initiative, mais à la demande du tribunal. Monsieur le président, nous venons d'être cités à notre diligence parce que nous estimons, monsieur le président, qu'il s'agit d'une affaire pénale qui requiert célérité et qu'ils peuvent être entendus par votre vice-tribunal pour que la lumière jaillisse. Donc, ce que nous avons fait, nous n'avons violé aucune disposition légale. La base légale en la matière, nous venons de vous lire cette base légale, mais votre tribunal demeurera souverain. Mais nous pensons que s'ils sont là, on peut ne serait-ce que les isoler. Puisque si par la suite, vous aussi vous abordez dans le même sens d'entendre ces témoins, et que ces témoins auraient déjà écouté le fait de la cause, ça peut poser problème des procédures, monsieur le président. Président de la composition, notre guide tribunal. Monsieur le président, s'il y a que votre guide tribunal puisse rappeler à l'ordre les conseils du prévenu, parce que nous sommes pas ici dans un bazar, soit devant un tribunal, et l'avocat est venu. Avoir, monsieur le président, du respect envers le tribunal, monsieur le président. Nous disons que, monsieur le président, pour notre part, nous estimons que votre guide tribunal, étant à ce stade ici, vous êtes noyé saisi, maître qui est censé mener l'instruction de la présente cause, monsieur le président, il vous revient à vous de décider si. Il faille d'abord procéder à l'instruction du prévenu ou soit s'il faille procéder, monsieur le président, nous disons à l'instruction de l'affaire ou soit commencer l'instruction directement par la compassion des témoins aujourd'hui, monsieur le président. Ardent ou Kasakabambi. Ardent pour Kasakabambi. Ardent pour Kasakabambi. De comparer les personnes pour son coup. Feza non plus. Cédric, agent de sécurité au restaurant Colby. Cédric aussi non plus. Et enfin, Nyabirungu Mweme Songa. Nyabirungu Mweme Songa. Un témoin qui dit ce dossier dégage de tous les témoins. Mais le tribunal constate que tous les témoins n'ont pas comparu à l'audience de ces jours. Et passe 8 mètres. Et constater que tous les témoins cités n'ont pas pu comparaître. Alors que l'espoir ont leur été régulièrement signifié pour l'audience de ce jour. Là, nous pouvons qu'interroger l'article 78. En français belge, qui dispose que lorsqu'un témoin ne comparaît pas sans un motif valable, le tribunal peut ordonner, je lis l'article que vous donnez, le témoin qui sans justifier d'un motif légitime d'excuse ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, c'est le cas, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en est l'obligation. Mais sans autre formalité ni délai et sans appel être condamné à une peine d'un mois de sortie pénale au maximum
et à une amende qui ne cédera pas 100 000 saïds ou à l'une de ses peines ou ses droits. Dans tous les cas, le tribunal peut en outre ordonner que ces témoins seront contraints à venir ordonner leur témoignage. Donc, par rapport à cette raison légale qu'il vient de citer, vous allez constater que tous les témoins cités par vous, régulièrement à terre, aucun a pu comparaître. Nous demandons au tribunal de faire l'application de l'article 38 de la loi citée par nous. Je dis. Vous accordez. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la composition, la partie prévenue qui, avant que votre tribunal puisse se déclarer même saisi à son égard, était précipité à pouvoir faire comparaître les témoins, constate avec nous aujourd'hui, Monsieur le Président, ainsi que vous naturellement, que ces témoins, par lui cités, n'ont pas comparu. Ainsi, cette partie prévenue exige ou demande à votre gré tribunal de pouvoir faire application de l'article 78 du Code de procédure pénale. Pour votre part, Monsieur le Président, nous estimons qu'il demande à votre gré tribunal d'accorder à la partie prévenue les bénéfices de sa demande. Vous avez dit, Monsieur le Président. Moi, opportun et penser à l'instruction de la présente cause. Mais le prévenu Kambere Ferdinand, reconnaissez-vous les faits tels que présentés par le ministère public? Réagissez par rapport à ça. Vous avez compris que... Vous faites acter la comparution. Oui, je voulais dire que vous avez constaté que votre tribunal a été saisi sur ma comparution volontaire. Et simplement parce que j'ai accepté de renoncer à la formalité de la situation. Sachant que la procédure qui a été écrite pour instruire une affaire pénale sera respectée parce que l'exploit, je ne l'ai jamais reçu. J'ai suivi le ministère public religieusement tel qu'il était en train de lire les libellés dans la requête au fait de fixation. Mais nous attendons effectivement. Lorsqu'on a fait la diligence, c'est parce que ces témoins clés-là, notamment Arda Kabam et le professeur Nyabirung, les médecins, l'expert Fonsérique, sous lesquels s'est appuyé le ministère public pour nous traîner ici, étaient des témoins clés quand même dans cette affaire. Et si on a renoncé à ça, c'était à défaut du ministère public de le faire pour... expliquer au tribunal pourquoi il nous fait arrêter, il nous a traîné en justice sous les libellés des infractions qui a été avancées. Et vous avez compris que avec mes avocats, c'est qu'on a demandé que leur absence aujourd'hui dit beaucoup de choses par rapport à ce que peut-être nous allons lire et dans le rapport de cet expert-là et dans la déposition du professeur Nyabirung, qui sont les seuls deux témoins ou experts et sur lesquels s'est appuyé pour faire cette requête pour faire des victimes. Réagir pour savoir si oui ou non, il y a encore un autre devoir pour lequel on peut demander le renvoi. Mais au moins, cette absence-là ne vient que corroborer une thèse que le ministère public nous a fait traîner ici, n'a aucun argument par rapport à ça, n'a pas de preuves pour ce qu'il a avancé, et que les témoins sur lesquels à s'absentant, ça signifie qu'on est en face d'un dossier vide. C'est pour ça que nous vous prions vraiment que la lecture de ces PV-là, que nous n'avons pas lu, soit faite par le préfet, et c'est en rapport de ça que nous allons réagir. Vous aurez le temps de réagir. Monsieur Kambere Ferdinand, reconnaissez-vous M. Kabambi Bukata Arda? Si oui et comment? Je le connais comme un des membres du parti, mais particulièrement pour ce jour-là, je le connais comme un collaborateur, sinon un porte-mallette du professeur Nyabirung, qui est au moins
un notable originaire de la même province que moi, professeur de droit et avocat comme moi, c'est un vieux que je fréquente régulièrement. Voilà comment je connais Arnaud. J'ai trouvé en date du 17 décembre 2021 à l'hôtel Paul Bri. Il n'a pas fait cela, nous allons pouvoir se défendre. Mais sur appel insistant de M. Ardan, que je ne fréquente pas, il n'est pas mon ami. Mais simplement comme un des membres de mon parti, le PPRD, son numéro, son nom était enregistré. Mais j'ai vu autour de 18h des appels incessants de M. Ardan, plus de 4. Et lorsque j'ai décroché au quatrième, le quatrième appel, celui-ci me dira qu'il m'appelle de la part du professeur Nyabirou, qui avait une cérémonie. Parce que là, on était le 17 vendredi, qui avait une cérémonie de vernissage d'un nouveau livre qui comptait publier. Et qu'à l'occasion, il voulait me remettre à mes propres une invitation pour que je participe à cette cérémonie. Voilà pourquoi, ce jour-là, je dis répondre à cette invitation. Et arrivé sur les lieux, au restaurant Colibri, j'ai trouvé effectivement le professeur Nyabirou. J'ai trouvé, il était avec un autre professeur qui est aussi député, le professeur Jean-Paul Sekiobe, qui est un ami. Nous avons fait le même petit séminaire du diocèse de Goma, avec qui on se fréquente aussi parce que c'est un avocat et originaire de la même province. J'ai trouvé le professeur Nyabirou avec un autre professeur, Edi Tambwe, qui est aujourd'hui Dirkaba du Premier ministre. Et dans cet environnement-là, qui m'était familier, qui m'était habitué, je ne pouvais soupçonner aucun climat malsain à ce moment-là. Donc, les appels, vous savez les voir. Hein? Je crois que c'était autour déjà de 18h50 qui m'appela. Et que c'est simplement autour de 19h15 que j'avais pris le dernier appel pour lui dire que moi-même je suis encore au centre-ville en train de faire quelques contacts, mais que les lieux qui me fixent, je les connais bien parce qu'on s'est déjà rencontré plusieurs fois avec le professeur au même lieu, et que pour le respect que j'ai pour le professeur, et même mes requêtes lorsqu'il faut introduire des requêtes au niveau de la cassation, c'est parfois au service du professeur Nyabirou, qui est un avocat au barreau près de la cassation, que je sollicite. Je lui ai dit, je lui ferai honneur et je vais passer. C'est à cela que je crois vers 21h moi, j'arrive au lieu et j'ai trouvé ces gens, ces amis, ces grands frères qui étaient là. Et le premier débat, c'était toujours comme nous le faisons d'habitude, autour d'un sujet scientifique, un sujet de droit. Ardan était assis sur la même table qui était comme celle de gauche, parce qu'on était assis maintenant sur des bancs, sur une table. Le professeur Nyabirou, Ardan à face, et lui jouait le rôle de celui qui fait qui complétait les noms sur les invitations à ce moment-là. Et il y avait le professeur Jean-Paul Sekiobe qui était aussi là. Mais sur l'autre table, parce qu'entre les deux tables, il y avait l'allée, nous on s'était mis sur l'autre table, le professeur Tambwe et moi-même. Voilà dans quel divan j'étais appelé à ce lieu-là et que j'ai trouvé un climat, bonne ambiance, que c'est simplement après que le professeur Jean-Paul se retire et après que le professeur Edi Tambwe se retire, que je vois maintenant Ardan commençait un débat venimeux par rapport à la gestion du parti et il s'est enflammé comme pas possible. Je crois que même la petite lecture que vous lisez, et ça soit dans la déposition d'Ardan Kabambi, qui lui-même reconnaît que c'est lui-même qui m'a appelé, parce que c'est le professeur, peut-être ne voulant pas utiliser son numéro, il a demandé à celui-là de m'appeler, parce que avec tout ça, quand je les vois s'absenter, même aujourd'hui, moi c'est grave. Ça fait 30 jours que je suis là, injustement. Il n'y a jamais eu de confrontation avec ni le plaignant. Il n'y a jamais eu de confrontation avec aucun témoin. Et c'est soi-disant expert. Alors que la réquisition demandait que ce soit un médecin légiste. Mais c'est un expert congérique qui vient, qui fait un rapport
Est-ce que ce jour-là, il était à l'hôpital Mamayemo? Comment lui a commencé à rédiger ce rapport? Parce qu'on va entrer dans les fonds pour vous démontrer que cette absence ici a beaucoup de signification dans ce procès. Je n'ai jamais été confronté, pas tant que ce temps, que je suis en détention, alors que je suis en détention. Ni invité par cet expert, parce que l'expert en réalité, ou un médecin légiste, qui respecte bien sa profession, lorsqu'il reçoit Adam, il devait requérir ma présence, surtout que j'étais en détention. Mais tout ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de prendre comme boisson? Bon, j'arrive, c'était une séance où je viens pour qu'on me remette une invitation, c'était ça. Donc la boisson ici, que ça vient de faire par rapport à l'objet que je considère ici comme un appât. Il y a une cérémonie de vernissage, venez, on va vous remettre une invitation. C'est cela, ce qu'ils étaient en train de prendre. On sera rencontré, tout ce que... On va dire, parce que moi je n'ai participé qu'à cette ambiance ou à cette messe que j'ai rencontrée là-bas. Reconnaissez-vous de donner la mort à M. Ardan en lui administrant une bouteille d'Henneken contenue de la boisson à l'intérieur? Alors, je l'ai dit devant les magistrats instructeurs et malheureusement, alors qu'il a entendu Ardan après moi, vous allez lire les procès-verbaux. Alors qu'il a attendu le procès, les soi-disant plaignants ou la victime de ces coups, prétendue victime de ces coups, et que moi j'étais en détention ici, il n'a jamais eu la volonté de me confronter pour voir. Parce que j'avais dit, il avait même posé une autre question, est-ce que vous aviez vu la blessure? Je dis, je n'ai jamais vu la blessure. Parce que c'est moi qui étais blessé, et même les gens du restaurant, c'est à moi qu'ils ont donné le premier soin. Lorsque M. Ardan était en train de faire son cinéma, pour dire qu'il a été blessé sur la tête, qu'il a reçu un coup de bouteille sur la tête, en tout cas. Mes dénégations n'ont jamais été contredites par quoi que ce soit, par aucune procédure. S'il vous plaît, ce 17 décembre 2021, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu bagarre entre vous et M. Ardan? Je venais me plaindre moi-même pour avoir été victime d'un guet-apens et pour avoir été tabassé et blessé de coups et blessures, et que de l'orchestration telle que vue, le professeur Nyabirungu demande à Arda, appelle l'SPA Kambéré. L'SPA arrive, un à un commence à partir. Et à la fin, c'est Arda et le professeur Nyabirungu qui se mettent là. Je me rappelle d'une phrase, je crois qu'elle est reprise encore dans la déposition du professeur Nyabirungu, qui lui-même, vous allez voir qu'il démontre comment Ardan s'était afflammé. Pour rien, j'étais tout aussi calme. Et que, donc, une bagarre peut-être, une bagarre, je ne crois pas qu'on peut parler d'une bagarre. Parce que, pardon, il y a eu une agression de ma part. Et que cette agression, c'est les blessures que j'ai eues, c'est lorsqu'il a pris soit une bouteille, moi je n'ai pas pris, et qu'il a tapé là. La plaie, bien que cicatrisée, elle est encore visible. Et même l'hématome, si vous touchez là, vous allez voir, ma tête a encore des signes d'hématome là-bas, et même là où j'ai reçu des coups. Et alors on parle de quelle bagarre? Moi qui étais dans un climat où je trouve déjà bien préparé pour me faire du mal, le professeur Nyabirungu n'était pas seul. Il était d'abord avec Ardan qui est son gars. Il était, que je considère comme un kamikaze utilisé pour cette scène. Et ses gardes-corps, alors que moi j'étais seul. Peut-être parce que les gens savent que comme un citoyen ordinaire qui croit qu'il n'a pas de problème avec personne, je me promène seul et sans garde-corps et sans chauffeur qui m'ont tendu ce coup-là, qui m'ont tendu ce piège. Mais les bagarres, on ne peut pas parler de bagarres. Je suis tombé dans un guet-apens, dans un traquenard, monté pour des fins que je ne connais pas. Puisque ça, c'est un coup pour nous, monsieur le président, c'est un coup qu'on a monté. Nous pensons qu'il a été signalé par des personnes intéressées de partir pour éviter la confrontation. Je ne vais pas dire que c'est le magistrat instructeur qui l'a fait. Je ne vais pas le dire. Mais nous pensons
que quelqu'un qui savait que cette confrontation allait faire jaillir la lumière lui a demandé de se dérober face à la confrontation. Nous avons des images du 20, monsieur le président. Nous n'avons vu aucune blessure sur Adam. Il n'était pas blessé. Et donc, nous pensons que c'est un montage. On a monté sur les images de l'être là pour faire croire qu'il était blessé parce qu'il craignait qu'on se plaigne contre lui et qu'il soit inquiété. Nous avons dit, monsieur, éclairé sur ce qu'il a été victime, étant donné que c'est lui-même, monsieur Ardan Boukassakaba. Ce n'est pas pour rien, monsieur le président, que nous avons fait la diligence que ce monsieur-là soit atteint afin de comparaître devant votre ministre tribunal. Notre client s'est retrouvé devant une situation où les magistrats instructeurs ne veulent même pas, monsieur le président, ils ne veulent même pas que notre client soit confronté à ce monsieur de perdre de poids au club, c'est à quoi il est reproché. Et aussi, monsieur le président, lorsque vous avez demandé au ministère public audiencier de pouvoir vous présenter les faits, monsieur le président, il parle de faits liés relatifs aux tentatives de meurtre que lui-même n'a jamais auditionné notre client sur ces faits-là que lui qualifie des tentatives de meurtre. Lorsque vous regardez, monsieur le président, parce que nous avons tout intérêt que la lecture de procès-verbaux qui sont dans le dossier physique vous soit lue pour que vous soyez à la hauteur de la compréhension de ce à quoi vous êtes appelé, de ce à quoi vous êtes appelé à comprendre, monsieur le président, que le rapport de la détention de notre client, c'est une pièce. Et l'administration pénitentiaire. C'est vous, madame Fézin, hein? Restez un peu au couloir, hein? Le tribunal va vous appeler après, hein? Pas ici. Oui. Que l'image de la justice de notre client a besoin, que cela soit rendu, soit au moins saine. Monsieur le Président, vous avez la pièce du dossier, c'est très important sous cet élément-là. Le ministère public place notre client sous le mandat d'arrêt provisoire. Mais attendez un peu. Le tribunal est en train de l'échouer. Effectivement, monsieur le président. Effectivement. Lorsque notre client persiste et signe, confronté, monsieur le président, il y a la suite des procédures où le ministère public ici présent saisit le tribunal. Il y a même les ordonnances de décision de justice. Sous les prétendus faits de coups, blessures, volonté et simple. Que cela soit acté, monsieur le président. Parce que c'est très important. On n'avait pas le temps de s'exprimer devant le bureau du ministère public, mais on a moins le temps de faire observer cela au tribunal, tout en complétant cela devant votre vice-tribunal, monsieur le président, qu'en saisissant votre vice-tribunal dans la chambre du conseil, le ministère public, le magistrat, a estimé que notre client poursuit pour coup blessure volontaire. Simple. Et même aussi, monsieur le président, nous, ces conseils, en se présentant dans les chambres de conseil, et même pas les décisions de justice déjà rendues, monsieur le président, le ministère public comprendrait qu'il ne sera pas en mesure, monsieur le président, c'est un élément de taille, qu'il ne sera pas en mesure de faire asseoir ses allégations sans preuve. Il estime lui-même de qualifier ces faits-là. En saisissant votre mais apparemment, vous n'êtes pas en train de compléter. Non, mais ça, c'est pour question que les voilà. Tribunaux posent à votre client. Voilà, mais c'est déjà, il ne faut pas comprendre la chose. Je suis en train d'ajouter ce que le prévenu a dit ici par rapport à la question qu'il y avait. C'est pas part de coup d'appel. Un tempesté qui finalement, il a pris cet appel. Il se retrouve au lieu de rendez-vous. Nous sommes en train de le souhaiter que ce soit lié ici. Le professeur Diabinou avait été entendu sur ça. Il dit, il l'a vu. Le ministère public a une histoire.
La grande autorité publique, M. le Président, c'est que il a comme impression, M. le Président, mesdames, madame et messieurs de la Révolution, qu'on est prévenu. Cherche à faire gagner votre tribunal dans sa démarche de l'instruction. Parce que nous rendons compte, M. le Président, que les prévenus, avec ses conseils, sont en train de tourner en rond. On vous lit les dispositions de l'article 74 du Code pénal congolais. Du code de procédure pénale, Monsieur le Président, nous voulons dire. Et on vous exige, suivant la linéa D de cet article, de lire tous les procès verbaux qui sont dans les dossiers. Monsieur le Président, c'est quelle procédure ça, Monsieur le Président? L'article 74 précise bien les procès verbaux des constats, s'il y en a, sont lits par les greffiers. Est-ce que dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, les prévenus, parce qu'il avait suffisamment le temps, Monsieur le Président, les ministères publics, quand ils décident de mettre en branle l'action publique, l'article 53 dispose qu'il communique toutes les pièces au tribunal. Et la conséquence, c'est que les prévenus, Monsieur le Président, pour ses conseils, avaient tout le temps d'aller compulser les pièces du dossier. Et parce que les prévenus sollicitent que votre Église n'a plus procédé à la lecture des procès verbaux. Il faut qu'il précise, Monsieur le Président, que si lui, en compulsant les PV du dossier, il avait eu à retrouver parmi ces PV un PV, un procès verbal de constat. Monsieur le Président, pour votre information, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Monsieur le Président. Tantôt, on vous parle des confrontations. Monsieur le Président, on a été arrêté. Nous sommes arrivés un certain le 20 décembre 2021 pour porter plainte. Et on a été suivis qu'on puisse nous arrêter. Et il y aura même un mandat d'amener avant même que, Monsieur le Président, avant même que qui est ouverture d'un dossier judiciaire. Monsieur le Président, compulser les pièces du dossier, nous rendons évidemment compte que les prévenus, nous comprenons, c'est plus Makala, mais il a quand même des avocats. Il a un collectif d'avocats, Monsieur le Président, qui avait une semaine, c'est suffisant, Monsieur le Président, une semaine pour pouvoir passer au greffe, consulter les pièces du dossier. Mais au lieu de le faire, Monsieur le Président, on s'est seulement précipité, M. le Président, à aller faire citer les témoins qui, malheureusement, ne sont pas venus aujourd'hui, M. le Président, à part Mme César. M. le Président, la confrontation au niveau du parquet, il n'appartient pas à l'une ou l'autre partie d'exiger qu'il y ait une confrontation. C'est le ministère public qui instruit les dossiers, qui juge de l'opportunité de pouvoir confronter les prévenus à son plaignant ou à la victime. Monsieur le Président, dès lors que les faits sont patents, les faits sont clairs, comme l'eau de la roche, Monsieur le Président, mais pourquoi exiger que le ministère public puisse répondre, puisse se soumettre aux caprices du prévenu, Monsieur le Président? Parce que les faits sont tellement clairs, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on vous dit encore une chose. Que le tribunal en chambre du conseil était saisi en chambre du conseil pour vous être saisi volontaire. Monsieur le Président, depuis quand les ministères publics saisissent le tribunal en chambre du conseil par rapport à une prévention? En chambre du conseil, Monsieur le Président, et ça, c'est une des informations pour les prévenir. Mais c'est la chambre du conseil, les musées publics présentent les prévenus, qui que ça soit régularisé,
en charge du conseil, le service n'est pas un tribunal pour les préventions. Non, monsieur le président. Ça, c'est du droit nouveau. C'est du droit nouveau, monsieur le président. Et puis, le prévenu va encore très loin. Jusqu'à soutenir, monsieur le président, que ici, nous sommes tenus au principe du dispositif. On doit se limiter au contrat judiciaire. Et selon l'entendement du prévenu, les contrats judiciaires, ce sont les PD. Monsieur le dossier. Non, monsieur le président. Les contrats judiciaires pour nous, ministère public, par rapport au tribunal, c'est la requête aux fins de fixation de l'équipe qui est versée au dossier. C'est avec ça que le ministère public saisit le tribunal, monsieur le président. Et nous ministère public, nous avons saisi sur des faits précis que nous avons eu à présenter, a été posé par votre guide tribunal. Au prévenu. On lui a posé la question de savoir, ces jours-là, quand vous vous retrouvez, quand vous vous retrouviez au restaurant, que preniez-vous comme boisson? Monsieur le Président, nous avons été surpris par la réponse évasive du prévenu, qui n'a pas voulu répondre. Et ses avocats l'ont soutenu dans cette confusion en disant non, ce n'était pas une fête pour qu'on puisse poser la question de savoir qu'est-ce qu'il prenait. Mais nous savons, monsieur le président, pourquoi les prévenir. Depuis son audition devant nous, s'est abstenu de dire qu'il prenait quelle boisson, monsieur le président. Mais votre guide tribunal, en poursuivant l'instruction, va constater dans les PV établis par nous qu'il y a des témoins qui ont été auditionnés. Et dont certains, monsieur le président, nous ont dit quelle boisson les prévenus Kamber étaient en train de siroter ce jour-là, monsieur. Cette nuit-là, monsieur le président. Le moment venu, votre guide tribunal va les découvrir avec nous. Nous avons dit, monsieur le président. Quand il s'adresse au tribunal, il affirme que la partie prévenue était en train de prendre telle boisson. Alors qu'au dossier, lorsque nous avons fouillé, nous n'avons vu aucun procès verbal de constat de toutes ces allégations. On qualifie de mensongères qui ne sont appuyés à aucune pièce à conviction. C'est ce qui fait en sorte que lorsque il a reçu une plainte, on parle de tels faits. Lorsqu'il instruit, il constate ça de ce vide. Lorsqu'il renvoie le dossier au tribunal, il dit tentative de meurtre. Des faits non soutenus. Des faits non soutenus. En fait, c'est à coup d'arrêtement, il est en train de confondre. Je me pose la question. Lorsque le ministère public fait un rapport au progrès pour détenir quelqu'un en détention, ça s'appelle quoi encore? Et lorsque cette personne qui est détenue et que sa situation doit être régularisée devant le juge pour que l'on prolonge le délai de détention, ça s'appelle quoi en droit? Par quel moyen de droit les dossiers quittent le parquet pour que le juge soit informé que le parquet a mis en détention telle personne? Je crois que s'il y a de confusion, ce n'est pas la partie prévenue. Son ministère public qui n'a pas bien fait le travail, qui recherche à collationner des éléments dont il n'a pas de preuve, des éléments brits, sans preuve aucune. Je crois que s'il y a la confusion, c'est dans le chef du ministère public qui a fait une procédure biaisée. Nous sommes sportifs, nous avons accepté de découvrir ces irrégularités. Deuxièmement, son dossier m'a mal fait le travail de l'officier du ministère public, alors qu'il pouvait mûrir sa question d'instruction préalable. Avant de saisir votre auguste tribunal, précipitamment, j'ai beaucoup d'égards à l'égard du ministère public qui siège à la date de ce jour. Il doit considérer que le ministère public, quoi qu'il ait fixé ce dossier, il instruit toujours à charge et à décharge. Aussitôt qu'il aura constaté qu'il avait été induit en erreur dans son office, peut-être les éléments extérieurs pouvaient l'emporter à cette époque. Mais maintenant, ici, il vous dit, vous juge, pour lequel il a instruit suffisamment sur la question de la boisson, il dit au moment opportun. Quel moment opportun? C'est ici, maintenant, et quelque autre qu'il vous dise, c'était quelle boisson, parce que lui a déféré le prévenu du fait d'une bouteille. Alors que lorsque vous prenez les procès-verbaux, on parle d'une bouteille neuve qui était consommée par la prétendue victime. Uniquement sur les PV du professeur Nyabirou, alors que le ministère public qui nous accuse ici
attendre un temps alors qu'il doit répondre maintenant. C'est ici qu'il doit répondre. Je suis très content généralement chez les militaires, lorsqu'un officier du ministère public inscrit son dossier dans son cabinet, il le poursuit jusqu'à l'instruction au juge de fond. Mais malheureusement, c'est là. L'actuel d'aujourd'hui, il ne subit que des procès verbaux incongrus, incomplets, alors que vous juges maintenant là, on vous donne un devoir effectivement large de l'instruction de pouvoir connaître exactement ce qui s'était passé à requalifier les faits. Vous devez requalifier les faits. Vous avez dit. Moi, je suis en train de m'étonner lorsque je suis le ministère public. Lui qui vous a saisi. D'abord, premièrement, je crois que ça a été bien noté par notre greffier, bien sûr. Il vous a dit que nous nous sommes précipités à comparaître volontairement. Comme si c'était simplement notre détention dont il voulait, et quelle que soit de la manière que ça a été fait, c'est quand même grave. C'est lui qui devait se précipiter, non seulement aussi par rapport aux droits de la défense, assurer quand même la confrontation à l'époque. Il nous renvoie simplement dans les géoles, il nous laisse comme il veut. Et même lorsqu'il envoie la requête au fait de fixation, il dit que c'est ça qui fait les liens, qui fait les contrats judiciaires. Alors que c'est plutôt la citation à prévenir et pas sa requête. Parce que sa requête n'est qu'une demande au tribunal. Et c'est le tribunal qui devait m'appeler et qui ne l'a pas fait, non seulement par la diligence de son greffe, mais aussi par la diligence du ministère public. Il va alors plus loin. Comme si cela le dira à quoi que ce soit dans ce que nous sommes en train de vivre. Il part de coups et blessures simples. Nous avons nié tous les faits. Nous avons démontré avec les photos qui sont là et les images sont là que M. Ardan Kabambi, je suis heureux qu'il soit venu et qu'on a découvert une fois pour toutes cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'on en découvre une fois pour toutes. J'espère qu'ils sont isolés dans l'entretemps. Mais au moins, c'est encore le ministère public qui avoue qu'il nous a amenés ici sans aucun préfet de constant. Mais c'est grave, toutes ces affirmations-là, sans aucun préfet de constant. Parce que notre démarche dans le droit de la défense, c'est de vous démontrer que c'est sur quoi il s'est basé. Notamment le rapport là, qu'on appelle médical, alors que l'auteur de ce rapport n'a même pas les qualités requises qui étaient demandées dans la réquisition du ministère public, et que l'audition de ce témoin, je ne sais pas s'il est aussi dans la salle, s'il est en train de me suivre, que ce témoin-là, lorsqu'il va comparaître, et que la prétendue victime, lorsqu'elle va comparaître, vous allez voir que même ces petits moyens sur lesquels il est en train de s'appuyer, la soi-disant bouteille et nickel, ne tiendra pas du tout, parce que je n'ai jamais été convié pour prendre une boisson ou une bière avec Ardan Kabambi. J'ai été appelé à celui-là parce que le professeur Nyabirungu disait qu'il a besoin de me remettre son invitation pour la cérémonie à main propre. Les considérations que j'ai pour cette éminente personnalité, peut-être le ministère public ne le sait pas, mais lorsque, le même jour, le 17, lorsque je voulais le dire à Ardan Kabambi, que si je suis arrivé à celui-là, c'est parce que j'ai beaucoup de considérations pour ce papa que je peux considérer comme mon père scientifique, et même dans la profession, que c'est pour ça que j'étais là, et que Ardan ne le connaissait pas mieux que moi. Mais Ardan m'a simplement répondu parce que c'était un plan, par simplement un sourire sarcasme, comme s'il y avait déjà un plan monté entre les deux contre moi. En tout cas, j'ai besoin que ces témoins comparaissent, que tous les témoins comparaissent, et que les ministères publics gardent en mémoire que même quand on instruit, que ça ne soit pas comme un acharnement contre le prévenu, il faut réunir les preuves. Ce sont les preuves-là qui vont grandir
devant votre tribunal. Nous avons cherché ces moments devant le ministère public au parquet. On n'a pas eu ça. C'est l'occasion. Et c'est pour ça que moi j'ai demandé que je comparaisse volontairement et que je renonce. Et que même que je diligente par rapport à tous les témoins clés dans cette affaire. Voilà ce que je dis. Dans un premier temps, monsieur le président, contrairement à ce que les provenus soutiennent, apparemment, ils n'avaient pas bien suivi notre intervention. Le ministère public n'a jamais soutenu, on n'a jamais stigmatisé les faits pour les prévenir de comparaître volontairement. Bien au contraire, nous avons soutenu ceci, M. le Président, que les prévenus Kambere, Ollier, de passer au greffe par ses avocats naturellement, compulser les pièces du dossier, s'était précipité à faire comparaître les témoins, M. le Président. C'est ce que nous avons dit, M. le Président. D'ailleurs, ça nous arrange, nous, M. le Président, que les prévenus Kambere aient été coopératifs par sa comparution volontaire, M. le Président. Cela permet à votre gouvernement de procéder. M. le Président, une question nous a été posée, c'est de savoir, est-ce que le ministère public avait, lors de l'instruction préjudicielle, posé une question aux prévenus relative à la prévention retenue, à la prévention pour laquelle il est déféré devant vos juges, M. le Président. À cette question, M. le Président, nous disons aux prévenus d'avoir seulement la patience. Parce que c'est l'instruction qui va révéler si oui ou non cette question a été posée. Mais pour ne pas répondre à cette question, M. le Président, les prévenir parce qu'il est poursuivi du chef de meurtre. On va savoir, M. le Président, qu'entre les coups et blessures volontaires pour lesquels il était poursuivi et les maîtres, s'agissant d'éléments matériels, il y a certains points communs, M. le Président. Concernant les coups, le moment venu, nous allons les développer, M. le Président. On vous dit encore, M. le Président, toujours dans cette même lancée, on vous dit, M. le Président, que les musées publics instruit à charge et à décharge. Mais c'est à quel niveau, M. le Président? Est-ce que c'est pas le ministère public a déjà mis l'action publique en mouvement qui viendrait encore instruire à charge et décharge? Ici, nous sommes partis au procès, M. le Président. À ce stade ici, le ministère public n'instruit pas. C'est vous, tribunal, qui instruisez. Nous sommes partis au procès. On même trouvé les prévenus. Raison pour laquelle même les prévenus nous ont posé une question, M. le Président. Autant, votre fils n'a pas nous poser des questions et nous allons répondre. C'est ça ici, M. le Président. Il est hors de question d'alléguer que le ministère public doit instruire à charge ou à décharge. Ici, parce que nous avons décidé de mettre l'action publique en bras, M. le Président. Ici, nous sommes là pour charger les prévenus par rapport aux faits, aux éléments du dossier recueillis au cours de l'instruction, M. le Président. Notre question a été posée. Le ministère public dit que le Omar Béni, il va dire à votre fils de quel procès il s'agissait. Comme les prévenus est pressé, que le ministère public puisse révéler, peut-être qu'il a oublié
la boisson. Il est en train de siroter cette nuit-là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, devant nous, en date du 23 décembre 2021, il y a Monsieur Patrick Mbala, Patrick Mbala Masamuna, qui est employé au restaurant Colibri, qui a été auditionné par nous. Et à la pièce côté 7, Monsieur le Président, juste au verso, la question numéro 3 lui a été posée. C'est de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parce que le prévenu semble ignorer la boisson qu'il prenait ce jour-là. On va le découvrir avec lui ensemble, Monsieur le Président. Ils étaient tous deux autour du conseil Nyabirungu. Mais c'était des tables différentes. Dans leurs échanges, les jeunes hommes contredisaient systématiquement ce que disaient les prévenus Kambéry. Les jeunes hommes critiquaient les PPRD, ce qui n'arrangeait pas M. Kambéry, je suis prévenu. Vers 22h, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais j'ai vu les jeunes hommes s'élever et se diriger vers la table de M. Kambéry. Juste à son arrivée, ce dernier a pris les jeunes hommes. Ce dernier a pris une bouteille de Heineken et l'a frappé. Et a frappé le jeune homme à la tête qui s'est blessé. Et lui-même aussi s'était blessé à l'annulaire, Monsieur le Président, et au petit. Nous pensons qu'avec ça, les prévenus, même maintenant, se rendent compte, se rendent à l'évidence que ces jours-là, ou cette nuit-là, il était bel et bien en train de prendre sa bouteille de Heineken. Et le tribunal d'ordonner l'alerte des PV. Lorsque une affaire est fixée, l'instruction revient à Ovo, donc sur la casette du départ. Le tribunal peut même mettre tous les PV inscrits à la police au parquet de côté pour revenir à la case de départ. Il s'est de relever que ici, le tribunal instruit par rapport aux questions qu'il est en train de poser et non par rapport à la qualification des faits tels que retenus par le ministère public en vertu du principe « Donne-nous les faits et nous vous donnons les droits. » Évoluons avec l'instruction de la police. Le tribunal veut savoir comment la victime Ardan s'est retrouvée avec une blessure sur sa tête. Nous avions dit que nous n'avons jamais vu de blessure sur la tête de Ardan. Il nous a agressé en présence de Nyabirungu et il a continué à nous agresser et de l'intérieur du restaurant et à la fin. Et il n'a jamais eu de blessure. Ardan Kabambi, je crois qu'il a été cité comme témoin. Il doit être dans la salle, c'est mieux de passer à cette phase de comparaison. Parce que ce qu'on est en train de lire là, vous allez prendre la déposition, de Nyabirungu. Lui Patrick qui dit que je ne connais même pas. Et je n'ai jamais été confronté avec lui. Il parle, il dit Ardan Kabambi avance vers moi. Tout simplement parce que je n'étais pas content de ce que lui donnait comme argument. Il avançait vers moi pour quoi faire. C'est le moment qu'il a pris, ce qu'il avait en main, pour m'agresser. Parce que je vous ai dit que les détails étaient côte à côte. Si lui est avancé vers moi, c'était justement pour me donner les coups. Et quand vous lirez le PV de Nyabirungu, lui qui dit qu'il n'a jamais vu de bouteille d'Heineken parce qu'il n'y avait pas de bouteille d'Heineken. Est-ce que le ministère public, lui qui l'a entendu, qui l'a auditionné, est-ce qu'il sait que le professeur Nyabirungu a dit ça? Et que surabondamment, le même professeur Nyabirungu, il dit qu'il n'a pas vu les coups venir. C'était imprévisible et rapide.
Monsieur le Président, honorable membre de cette tribunal, un grand pénaliste comme Nyabirungu, un grand avocat de ce pays, de renom international, il vous dit je n'ai pas vu le coup. Les Patrick étaient à quelle position par rapport à nous? Parce que nous étions restés, le professeur Nyabirungu et à face, c'était Adam Kabak et moi j'étais sur l'autre table. On vous dit bien que c'est lui qui est allé vers moi. Et le professeur Nyabirungu vous dit qu'il n'y avait plus de bouteilles de Necker. Et lui, Patrick, était à quelle position pour venir dire au ministère public qui ne tenait qu'à nous arrêter que j'ai pris une bouteille de Necker. De la main de qui? Voilà pourquoi je tenais à tous, à ce que tous ces témoins viennent. Comme je n'ai pas eu le temps d'être confronté à leur dire, à leur déposition, au vice tribunal que cette occasion me soit donnée dans le cadre du droit de la défense et non simplement les allégations avancées ou des témoins préparés par Arda Kabambi qui a eu le mandat d'amener le lendemain même en se faisant enduire une matière rougeâtre, vous allez le voir, il sera dans la salle parce qu'au moins ce que le tribunal devra dire lorsque nous allons rentrer dans ces rapports-là qui parle d'une plaie de 2,8 cm sur 1,5 cm à forme zigzag. Est-ce que cette plaie, avec un coup violent d'une bouteille, peut se faire et se refermer en un jour ou deux jours, et sans cicatrice, et sans qu'il y ait même des cas de matins? Parce que lorsque il y a un coup, certainement qu'il doit y avoir des matomes. Ça veut dire le corps, le sang, lorsqu'il s'accumule sous la peau, mais au moins, ça doit gonfler. Est-ce que tout ça, le procureur, lui, avait vu ça? Le samedi soir, ce qu'il faut que j'ajoute, j'appelle, parce que même mes téléphones étaient partis, j'appelle quand même mon aîné, Maître Nyabirungu, pour lui dire, mais tu m'as convié à un lieu, t'es soustrait en me laissant en danger entre les mains d'une bête féroce qui m'a agressé. Tu ne te donnes même pas la peine de m'appeler pour savoir ce qui s'est passé après. Et le professeur dit, ah, parce que en tout cas j'attends qu'il vienne. Ah, Ferdinand, effectivement, comment tu te portes? Ça, pour quelqu'un qui a invité quelqu'un, pas pour voir, je ne serais pas venu. Je n'étais pas allé là pour voir. C'est parce qu'on m'a parlé d'une cérémonie. Et donc, les deux jours-là, le samedi, j'ai appelé le professeur Nyabirungu. Il ne m'a jamais appelé. Alors que j'ai décrit déjà comment je suis. Le dimanche, j'ai dit que la rumeur persiste en disant qu'Ardan, qui est ton type, a déjà un mandat. Et que l'objectif, c'est de m'humilier et organiser un procès à flagrance contre moi, la victime. Est-ce que de votre statut, de votre notoriété, vous ne pouvez pas aller, si Arda ne sait plus vous comprendre comme ce jour-là, vous ne pouvez pas aller au parquet pour dire que ces faits, vous les connaissez et que vous retraciez ces faits. Il avait refusé. Mais curieusement, il a attendu que je sois arrêté pour aller déposer, je peux dire, à m'enfonçant. Et lorsque nous avons découvert, et on a découvert que lorsque finalement le dossier est envoyé au tribunal par le ministère public, et en lisant sa déposition, j'étais malheureux, tout le respect que nous avions pour ces 30 ans. Donc voilà ce que je voulais vraiment dire, que le témoin est là. Et c'est pour ça, parce que l'inscription a été bâclée, en tout cas je considère que ça a été bâclé. J'ai fait 30 jours ici, le ministère public n'a pas été capable de m'opposer quoi que ce soit, que ce témoin, cette fois-ci, encore sous notre diligence, qui sont dans la salle, qu'on passe à l'étape et on va poser des questions. Sur la bouteille, monsieur le président. Je commence à parler. Adam n'était pas retrouvé par terre. Mais comment? C'est moi qui étais blessé, monsieur le président. Et même ces parties que je ne connais pas, lorsqu'il fait sa déposition devant le ministère public, à présence de Nyabirungu, ça veut dire que c'est lui qui a, non seulement il m'adresse verbalement, et il prétend que
que c'était moi qui étais énervé. C'est lui qui a quitté Soulier pour me frapper tel qu'il l'a fait. Et le professeur Nyabirungu qui était là, à ce moment-là, quand les gens du restaurant viennent nous séparer et constatent que je suis blessé, et ils m'ont conduit vers les lavabos pour essayer de laver ce sang. Mais le professeur Nyabirungu est parti. Moi, je suis revenu de la salle des lavabos. Il n'était plus là, ni lui, ni ses gardes de corps, simplement ardent, parce qu'ils n'ont pas. Alors qu'ils étaient en train de se concerter, lorsque j'ai vu ces ardents s'enflammer, c'est lorsque Ardan, lorsque le professeur demande à Ardan, il dit, mais Ferdinand, bien que plus moins âgé que moi, mais c'est quand même mon chef qui partit. Cette phrase est sortie de la bouche du Seigneur. Et il dit, tu ne peux pas lui manquer du respect, tu ne peux pas prendre telle attitude, tu ne peux pas l'agresser de cette façon-là. Et lui, il ajoute, et c'est cette phrase qui m'est restée et qui me restera, malheureusement, que je risque de ne pas oublier. Il dit à Ardan, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, pourquoi tu n'as pas attendu que je parte pour faire ce que tu veux faire. Cette phrase, c'est restée. Et ça risque de rester longtemps. Mais en tant que chrétien, je la reprends parce que c'est ça le fait. C'est ça l'ambiance après le départ du professeur Jean-Paul, après le départ du professeur Eddy, dans laquelle j'étais resté. Et même quand on parle, parce qu'il y a une question, je crois que c'est là où le ministère public veut s'approcher, tu prenais quoi? Je dis, je prenais du Henneken. Mais ça ne signifie pas que la bière que je prenais signifie en même temps la bouteille que je prends entre mes mains et que je frappe quelqu'un. On doit pouvoir prouver cela. Parce que à ce moment-là, je me rappelle, le professeur venait de demander au caissier de lui amener la facture et que moi-même j'avais payé juste la première tournée que j'avais payée pour tout le monde aussi, à présent de tout, parce que je les ai trouvés en train de boire, mais que nous étions en train de nous lever pour partir. Il n'y avait plus de bouteilles de quai, c'était déjà, comment on dit ça, débarrassé. Donc on ne peut pas partir du fait où, devant le ministère public, qu'est-ce que tu étais en train de prendre? Je dis, je prenais du Henneken et de là partir, pour dire que non, comme il prenait Henneken, donc il a pris la bouteille et frappé. Donc il faut le prouver. Le ministère public doit pouvoir le prouver, ce geste-là. Lui, le professeur Nyabirungu qui dit, je n'ai pas vu le mouvement. Le mouvement était aussi rapide, imprévisible, comme Patrick Luiz Vera, qui n'était pas assis avec nous, a vu une bouteille miraculeuse qui viendrait. Et qui va frapper qui? Un ardent qui n'a aucune blessure, qui n'a des traces de blessure. Et même lorsque ce rapport vous parle d'une plaie suturée en cicatrisation. Mais vous allez le voir. Alors, qu'est-ce que Adam vous avait frappé? Pardon? Adam, il avait utilisé quoi comme arme pour vous frapper? En tout cas, ça doit être un objet. Parce qu'il prenait, comme vous l'avez dit, Nyabirungu. Ça doit être sa bouteille. Parce que lui ne prenait pas avec les verres, car nous le prenions avec les verres. Ça doit être sa propre bouteille qu'il a utilisée, qu'il voulait fracasser sur ma tête et a voulu la montrer les coups. C'est là où j'ai été pris. Et donc, à n'importe, nous avons demandé les bénéfices d'aller vers des médecins spécialisés pour qu'on vérifie tous ces hématomes sur la tête. Parce qu'il y en a ici, même avec une main libre de quelqu'un qui n'est pas expert, il peut constater que bien qu'il y a un mois, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et derrière, l'oreille est là. Mais lui, est-ce qu'il viendra vous dire ça? Fais ça. Aidez-nous, hein. Elle était sortie. Fais à l'idée. Et donc, devant tes pères. Oui, une fois. Moussa l'a mis au salle là-bas. On a servi un restaurant. Je suis là. Bon, les Camerounais, les cas qui n'ont restaurant, n'ont pas de date,
le 17 décembre 2021. Pas ce qui s'est passé au restaurant parce que moi j'étais dans la cuisine. Tu étais dans la cuisine. Ouais. Tu n'as rien vu. Bon, c'est pas dit que je n'ai rien vu. Moi j'étais dans la cuisine, j'étais vers 22h30. J'étais vers 22h30 parce que dans ma cuisine, il n'y a pas la porte. Si un monsieur veut aller à la place d'un salitaire, je peux passer que je vais voir. J'ai vu à 22h30 le monsieur. Il a passé, il était vraiment essuyé avec beaucoup de sang. Et sur son pivot ici, il y avait une blessure avec beaucoup de sang qui coulait. Et j'ai vite couru, j'ai dit, le monsieur est en train de la toilette comme ça avec le sang. Pourquoi? Je suis allée là-bas, il était en train de s'essuyer avec zéro, avec un papier mouchoir. Et moi, je me suis dit, j'ai dit, non, papa, n'essuie pas avec le papier mouchoir parce que le sang ne doit pas cesser de couler. Je suis allée, j'ai pris les désinfectants comme ça, avec du sel. Je lui ai mis ici. J'avais une clé là, et sur le petit doigt. Et je me suis dit, papa, attends, je vais faire arrêter votre sang, ne prends pas encore de l'eau. J'ai pris du sel, j'ai mis ici. Vous êtes en train de déposer. S'il vous plaît, déclinez un peu. Le ministère public est en sécurité ici, c'est à moi. Oui, j'ai pris les désinfectants, j'ai mis à ce monsieur. Et j'ai pris encore du sel, j'ai mis ici. Ici, le sang, ça a laissé découler, mais sur le petit doigt, ça coulait tout. Et toute la bouteille de désinfectant, c'est fini. Et j'ai mis du sel dans 4 tenues. Moi, je suis allée directement au comptoir, comme il y avait la dame. Je lui ai dit, maman, il n'y a pas moyen de retenir ce monsieur ici, parce qu'il est en train de saigner. Parce que toute la vapeur là, à la place là où on lave les mains, c'était vraiment, il y avait du sang. Et j'ai dit, maman, il faut qu'on libère le monsieur, qu'il aille à l'hôpital, parce qu'on va avoir des problèmes. Après cela, je ne connais rien de tout. Qu'est-ce que les gens disaient? Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Là, vraiment, je ne sais pas, monsieur. Alors, vous avez aussi, vous avez vu ce monsieur qui est devant vous. Alors, Arnaud Kabam, vous l'avez aussi vu? Non, parce que je suis sortie pour voir le madame. Ardan Kabam, il était en train de se filmer parce qu'on avait tiré la porte. Parce qu'il y avait aussi des clients, c'est lui qui se faisait. Il est filmé dehors la partie. Dehors la terrasse. Vous n'avez pas vu son état? Non, je n'ai pas vu. Parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu ça comme ça, je ne sais pas. J'ai vu pour le monsieur, oui, mais pour Ardan Kabam, je ne sais pas. Vous allez comparer dans quel angle? Vous allez comparer en quelle langue, en français à Lingala? Lingala. Comment on a mis? En quelle langue? Il paye la taille, la sécurité. Comment est-ce que c'est prépare pour moi? Il paye la taille. Et là, la pembe na yo, à droite, du monsieur Wana, vous avez l'endégué dans la cadre. Il y a une fois dans la terrasse, la mission. Il a évité la monnaie qui a une fois. Il a évité 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 une fois. Une fois. Yo, bandi ko sa na restaurant Colibri depuis Mboulani 2008. Pourquoi qu'on a tribunal et là qu'on est le cas qui na date le 17 décembre 2021 na restaurant na bino aux alentours il y a 22h. Na sa qui na catch na placer ma sama. Na sa qui na catch ya cuisine na zo sukula ma sama pour la tiens congélateur. Na qui maman fait la bino mai. C'est une question de retard à l'Iban, là où tu as suivi le Roni et Zali. Pas trop d'amour. Pour mon ami, l'Iban, là, il y a un petit lycée ardent. Alors, ça a déjà battu, mais ça, il y a un lycée ardent. Alors, ça a battu, mais ça, il y a un Zali agressé, il y a un Colibri, tout ça, là, adjoint, secrétaire général, il y a un PPRD. Papa, quand même, il y a un Zali, il y a un Zali, il y a un Zali, il y a un Zali. Dans le terrasse. Par M. Kambé, l'adjoint secrétaire général, il a bien perdu. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
lié à Ardan, à l'Ingako, tu as un catch, un téléphone à Tchabou. Tu dis que tu as un téléphone à Tchabou. 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 Tu as un téléphone on a papa Kambele, à Salaki, on a la Salaki, on a blessé, on a eu beaucoup, on a eu un soutien qui a eu l'autre qui s'est soigné, la salle de bain, elle est surtout n'a pas le bon matériel. Monsieur Ardan, un temps mon acquis. En fait, on a évité parce que bon, on va s'abattre. Il y a qui moi, et puis pour y arriver, on va voir la salade. Quand on va pour ma vie, on est sacré dans mon temps. On va pas cambrer dans ma fille. On est monsieur Ardan à ma fille. Peut-être tout le monde, mais on est qui n'est pas à restaurant. On est tout du solo quand même. Côté Kobi Mananga, les bandes à mouton, la mona qui n'a mon état Ardan à jour sa baïmane. Or que tant qu'on a fumé dans la cache, papa Kambere a contacté la cache. A tiki de téléphone de l'Ibanda, dans Nicolas Messa. Téléphone, il y a une clé de contact qui n'a tiki en l'Ibanda. Pour moi, il y a tellement de l'Ibanda. Tant qu'on a soubli, mon amoni, déjà papa Kambere a ça, déjà la cache, Ardanje a eu sa baïmane. Quand il y a eu sa baïmane, j'ai oublié que tu es agressé, tu es menacé, tu es menacé, papa Kambere a menacé, tu es menacé, à Baminga Bouquet, secrétaire, tu n'es pas là, tu es perdu. Quand on a coach, il faut pas filmer que tu n'as pas chaté à la ligne et tu vas se battre. C'est bon, je suis un homme qui a été mélangé, il y a une éthère, il y a un verre, il y a lèvre. Il y a un verre, il y a un verre, il y a un verre au pantalon. Affirmez devant votre vice-tribunal que la journée du... Asseyez-vous d'abord. Rétablissez-vous. Voilà. La question que nous voulons poser, peut-il convenir que la date du samedi, M. Ardan Kabambi était rentré au restaurant? Les jours suivants, rentré au restaurant. Qu'es-tu venu faire le jour suivant à ce même restaurant? Mais mon ami,
temps avec quelqu'un qui a bandi. Votre confrère est en train de parler, vous sollicitez la parole. C'était à partir de quelle heure M. Ardan Kabambi était rentré le samedi le jour suivant? Comment déjà 7h, il y a combien à 8h30, comment 7h commence à nettoyer les habits à 8h30. Avec un mois signé. À compagnie de ta femme. Est-ce que lui. Je vais voir M. Peda si vous pouvez examiner les bien fondés. Ah, c'est l'original, hein? Oui, les bien fondés, M. le Président, et cette liberté provisoire nous a voté. Donc vous avez sollicité la chambre du conseil. Tout à fait, M. le Président, avec votre autorisation. Et ou gastronomial à chambre du conseil, étant donné qu'il y a une requête adressée à monsieur le président du tribunal. Et nous sommes aussi à la première audience. Rien n'empêche que le tribunal puisse faire voir à ses demandes. Si c'est le tribunal accorde la parole aux avocats dès l'inculpé. Merci monsieur le président. Mais il y a une courte remise, c'est-à-dire au 31 janvier 2022, pour un seul devoir, la comparution de Patrick Mbala. Massamouna et éventuellement plaidoirie. Okay. Le tribunal s'est déjà décidé. Ma mission TV, le miroir du monde.